voyez, là, le secret, c'est les fientes. Ce n'est pas autre chose. C'est les fientes. Donc, avec les fientes, beaucoup plus les lisiers de porc, vous voyez ce que vous pouvez avoir comme résultat. Oui, vous voyez là. Ce n'est pas seulement ce pied. Si je passe sur d'autres pieds, vous verrez que c'est la même chose. Vous voyez là? Là, c'est le secret, c'est les fientes. Je vais encore évoluer au prochain plan pour que vous voyez. Vous voyez comment les fruits sont très gros. Ce n'est pas de la sorcellerie. Donc, le secret, c'est le lisier des porcs. Vous élevez les porcs et puis tout ce qui est comme déchets, vous envoyez au champ. Vous voyez là? Comment les avocatiers portent. Ouais. Et au prochain plan, vous verrez que c'est tout le même scénario. Donc on voit un peu soulever là. Vous voyez à quoi ressemble la tige. Voilà. Le secret, c'est l'élisier de porc. Ouais. Donc, à partir du moment où nous allons intégrer l'élevage à l'agriculture, je pense qu'on va avoir un peu de gain. Quand je parle de l'association élevage-agriculture, les gars on me prend pour embrouiller, on me traite de tout et de rien. Donc, en fait, si vous faites cette association, voilà ce que vous pouvez avoir comme résultat. Vous voyez? En même temps que la floraison y est, bon, on n'a pas encore récolté ici. Vous voyez, les fruits sont là. Des gros fruits, charnus, bio. Parce qu'en fait, il faut associer l'élevage à l'agriculture.